RTZ, FIZ, 55, ta-ta-ta-ta-ta, Benny Glow. Il nous raconte des histoires avec des maîtres Kobayashi, que les inspecteurs cuisinent comme un poulet piment au dashin. Lui, il voudrait noyer tous les rachidas et les types trop speed qui visent les rachkits trop souvent sur leur portable. C'est un flagelleur mental, de l'or à l'uranium, il change la couleur du métal, mais le processus reste identique. Piller l'Afrique, quelques bassos contre les antibiotiques, il te promet que c'est la dernière, comme De Niro dans Hit. Les Ricains sont trop forts, ils nous feraient presque aimer les flics. Qui sont-ils? Ces gens au pouvoir en haut de la pyramide, la connaissance devient leur pire ennemi. Il peut trouver du taf en traversant la rue, pense à sa prochaine ruse. Mito. Comme un pointeur passe la pilule à 20h devant son écran, il jure qu'il arrêtera bientôt la tease. Les opiacés le paralysent mais retourne dans son parapluie. Tant que le PSG n'a pas d'étoiles, ils sont plusieurs milliards à croire que la vie n'est qu'une escale. Plutôt discret, ancré dans le business. Rêve de la richesse de Bill Gates en vitesse. Conçoit la vie comme un sitcom rempli de risques. Fork les bitcoins, il veut plier dans la piscine, briller dans la street grise. S'en fiche du chaos ou de la bêtise. Prêt à enchaîner pastos dans la playlist. Il méprise les lois. Le dernier juge qu'il ait vu a fini très mal entre un SUV et un arrêt de bus. Il n'écoute aucune leçon, ne prend aucun conseil, n'écoute aucune discussion si ça ne parle pas d'oseille. Au fret en cage de hall avec ses bougs natifs de la thèse, persuadé qu'avec des bouts de radis on fait de la pièce. Toujours dans son monde, il ne conçoit la vie qu'en chiffres. Et puis dans le fond, pourquoi la dire en mille? Privé d'amour, qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Il a la weed et les billets violets qui viennent mettre là les boosts. Vrai rat d'égout, mec assez louche. Il pense que moins on est dans une équipe, moins on chicane les doutes. Il aime pas trop Midor, lui se voit son dromadaire. Il négocie un terrain de guerre avec des Russes et puis l'argot qui colle. Il a craché dans leurs assiettes, s'associer pour lui c'est donner à manger aux brasseurs de métaux rapés. Des égaux de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On remporte dans les rêves les plus tardes, à force de billets verts, de tocs, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur et devienne son propre dieu. Et une fois qu'il en est là,